Donc 1 et 2. Ça, c'est bien. Alors la 3, on va pouvoir la mettre là, tu dis? Là on pourra mettre une, ouais. Ah ouais. Tu vois comme ça. Ou là, enfin là sera mieux là. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, lance la 3. Attends, ouh là tiens, on va bouillir alors sinon. Ça, 1 et 3. Voilà, là c'est nickel. Putain, mais comment ça tient ce truc? Il a collé ou quoi? À se demander. Ah, ça glue. Donc elle tourne. Là j'ai 3 heures d'autonomie là-dessus. Elle est serrée. On dégoupille. On ventouse et on fait ça. Ensuite, hop, on met là, ventouser. Je serre, tu vois. Ah oui, j'ai la même. Voilà. Alors l'autre fois, le truc que j'avais, c'est que c'était peut-être un peu vers le haut quand même. Ouais, il y a de l'activité le samedi, hein. Oh, toute la semaine. Toute la semaine. Donc comme ça, c'est bien. Tiens, je te rends ton casque. Oui. Et maintenant, je vais lancer l'audio ici. Donc pour l'audio, en fait, j'ai 2 synchros possibles. C'est celle à la caméra, c'est celle que je vais faire. Et ensuite, quand on allume l'Avionic Master, il prend le truc et t'as une crête. D'accord. Ce qui fait que quand moi, je me filme en train d'appuyer sur l'Avionic Master, clac, je le mets avec la crête. Alors, attention pour la synchro. Allez, où la caméra, elle est là. 3, 2, 1, top. C'est vert, c'est rouge. Bon, on aura la surprise parce que ce matin j'ai eu un peu de mal à le régler. Ça a l'air d'enregistrer, on verra bien. Ok pour la technique. Attends, non, t'as tout mis, on va réouvrir un peu là, parce que sinon on va bouillir. Ah, ça chauffe, hein. Le GPS est actif. Et voilà, Tango Novembre bouge. Okay. Donc lui, a priori, j'aurais pas besoin, t'as qu'à le laisser pas trop loin si jamais je te le demande. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ah bon, alors ok, on va laisser fermer alors. Alors on peut laisser entrouvert en position 1. Hein. Mmh. Faut juste que je trouve le... Voilà, on va laisser comme ça. Donc pour le roulage. Je le mets comme ça, on le met. Oh, tu peux laisser ouvert aussi, voilà ce qui fait vraiment chaud. Bah, c'est bien, histoire d'avoir un minimum de... Ok. Bon, alors... Ça, on verra après. Ça, je vais le mettre là, impeccable. Et en fait, on roule jamais sur le taxiway pour aller en alpha, on prend toujours, on remonte toujours la piste. Ouais, parce qu'il est pourri le taxiway alpha, ouais. Attends, d'accord. Ça, je vais le dire. Ça va me faire chier. Le taxiway alpha, il est complètement pourri.
Parce que justement, quand j'ai regardé la vague là pour le vol, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, il y a un taxi Way Alpha, mais on le prend jamais. On le prend des fois. Moi, s'il y a vraiment beaucoup de monde, je le prends, mais c'est très rare. Okay. Il y a des nids de poules, non? Ah ouais, c'est ça, il est très pourri, il est complètement pourri, ouais. Alors, ta mission, Patrick, toi, c'est de vérifier de temps en temps que la caméra, elle a toujours cette bonne position. Yes. D'accord. Donc, sachant que... Okay. Je vais me détacher. Voilà. Ça, c'est réglé. Sachant que, en fait, tu vois, là, je la règle pour qu'elle soit orientée sur la... pardon, c'est pas celle-là. Sur le devant du tableau de bord. C'est ça, c'est la vision cockpit, en fait. Ouais. Voilà. Donc, l'important, c'est qu'elle soit à l'horizontale, légèrement vers le bas, comme ça. Légèrement vers le bas. Et comme ça, légèrement à l'horizontale, tu vois. Ouais. Et qu'on voit bien le tableau de bord, en fait. D'accord. Le cas échéant, c'est ce qui me permettra soit d'avoir des visions ici, soit les instruments et tout ça. Okay, le reste là. Étant la caméra ici et l'extérieur là-bas. D'accord. Donc, si jamais, pour une raison ou une autre, tu vois qu'elle s'est écoulée, tu la remets. Donc, ouais. Tu vois, tu as trois doigts en dessous, là. Deux, trois doigts, ouais, là. Ouais, deux doigts pour toi. Horizontal et légèrement vers le bas. D'accord. 5 degrés vers le bas, en fait. Ça marche. Ok. Bon, bah écoute, je suis prêt pour l'initiation. Attends, juste une toute petite seconde. Palonnier est réglé. Donc, on a les freins en haut, comme ça aussi? Ouais, tout à fait. D'accord, bon, ben ça va. Je me sens bien ici, effectivement. Statique, j'ai enlevé. Alternate Air, je sais pas où il est. Alternate Air, il est là. Fermé. Alors, statique de secours, elle est là. Ok, elle est bonne. Ok, elle est bonne. Disjoncteur gauche et droite. Disjoncteur gauche et droite. On est correct. Vérifier. Les interrupteurs off, électrique. Interrupteur, mais c'est pas le tout de le lire, hein, c'est de le vérifier. Ouais. Voilà, donc tout est sur off, on est bon. Tout est sur off. Les électriques master clés, il est sur on. Voilà, il est sur on. Non, sur on. Ouais. Après, c'est l'avionique master qui est sur off. L'avionique master, il est à côté, je l'ai vu tout à l'heure. Alors ça, je sais pas ce que c'est, EQ swap automatique. Engine master, lui est très important, il est là, il est bien sur off. D'accord. Ok. Il est sur off, reset panneau d'alarme effectué. Donc on appuie un petit coup ref ici, voilà. Ok, donc il se fait. T'as mis EQ swap, est-ce que swap tu l'as vérifié? EQ swap au sur automatique, voilà, c'est ce que j'ai ici. D'accord, ok. Donc. Ah c'est ça, EQ, j'avais vu EQ test aussi quelque part. Voilà, c'est, tu connais le DA40 ou pas du tout? Ah pas du tout, c'est la d'accord. Première fois. Donc le DA40 c'est une gestion électronique, il y a ce qu'on appelle un FADEC. Ouais. Donc tu as deux unités de contrôle pour le moteur, tu as l'EQ, Engine Control Unit, tu as l'EQ A, ouais. 1 et le 2. Par défaut, il fonctionne sur le A. Donc le moteur est géré par l'EQ A. D'accord. Si jamais... il y a un problème détecté par le calculateur, il va basculer automatiquement sur le B. D'accord. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, il ne bascule pas sur le B, nous, on a la position de tirer et de basculer sur le B. D'accord. Voilà. Et okay. ça fait partie de la check au décollage. En cas de panne après le décollage, s'il y a une chose qu'on peut faire éventuellement, c'est ça. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Donc, mais par des, c'est l'EQA qui va gérer le moteur. Qui est réostat d'éclairage, ça on s'en fout. Reset du panneau d'alarme, ok. Effectué. Montre sans thermomètre fou. Réglé. Bon, pour là, pour le coup, il est 10h. Voyons, liquide de refroidissement, c'est ici, c'est éteint, donc c'est bon. Ok. Essence, quantité autonomie. On a 85 litres, on a 4 heures écart d'autonomie, donc on est tranquille. Mm-hmm. Très bien. Température, essence. C'est bon, on marche au jet, donc on est pas. Puis là, il fait chaud, voilà. Les volets sont sur top. Ici, ok. Ils sont sur up. D'accord. On vérifie dehors. Voilà. J'ai vu qu'ils étaient bien à plat tout à l'heure. Les volets sont sur up, le frein de parking est serré. Alors, le frein de parking, il est sur serré. Voilà. Est sur ce qui n'empêche pas qu'on mettra les pieds sur les freins pour démarrer. D'accord. Les gaz, tout réduit. Tout réduit. Alors là, tu as. Donc c'est ça le. Voilà. Manette de gaz. D'accord. Voilà. On verra après. D'accord. Donc tout réduit. Serrage, ouais, ok. Sélecteur d'essence, il est sur normal. D'accord. L'essence. C'est le réservoir gauche qui alimente le moteur. Ouais. Le surplus d'essence chaud revient, il passe au-dessus du réservoir droite, ouais. Il ne se mélange pas, il va réchauffer l'essence dans le réservoir droite et il revient déverser dans le gauche. D'accord. À un moment donné, on va faire un transfert. Donc on a une pompe de transfert ici.
qui va transférer du droite dans le gauche. D'accord. Mais c'est que le gauche qui alimente. Qu'alimente. Si jamais on a un problème, on a un crossfeed ici, donc on peut, c'est plombé, hein, ouais. On peut alimenter le moteur avec le réservoir droite. D'accord. Et en cas d'accident, on peut mettre sur off, bien entendu, pour fermer. Voilà. D'accord. Ok, il y avait un serrage manette qui était sacré. Ouais, mais il est condamné. D'accord. Donc ça, c'est bon. Ok, sélecteur d'essence. Compensateur take-off. Compensateur, il est ici. Il est sur take-off, voilà, ok. D'accord. On va cabrer, voilà. Le loramètre, il est... Loramètre, on s'en sert pas. Et on prendra le top. D'accord. Équipage et passagers attachés. Donc le derrière, il est attaché. Ah, on s'attache direct, là. Ah ouais, bah non, comme un avion, voilà. Ça, ah ouais, je m'attache après la mise en route, moi. Ah, bah ça, c'est sur les avions des années 40, effectivement, ça risquait. Ah, tu avais des risques d'incendie, mais c'est sûr que avion moderne, tu as le J3 éventuellement, voilà. Mais sur certains avions très anciens, c'était avant, on disait, on s'attache quand le moteur est en route. C'est ça. Mais bon, maintenant, les avions sont quand même une certaine fiabilité. On voit rarement un avion s'enflammer, ou on voit rarement avec un mec avec un extincteur au bord du tarmac, quoi. C'est sûr. Pilote attaché. Mais c'est sûr que tu vas voler sur un vieux Waco, sur un. Là, il y avait un Stearman qui volait tout à l'heure. Là, oui, effectivement. D'accord. Et un avion, un PA-28, un A-172, un DA-40, encore, c'est des avions modernes. Ils vont pas. T'en vois jamais s'enflammer, quoi. Alors, avant mise en route, porte arrière verrouillée, c'est bon, j'ai vérifié. Verrière, position 1 ou 2. Donc nous on est en un master avionique. Alors Electric Master, clé sur on. Ali déjà, donc c'est bon. Feu éclat, voilà. Sur on. Strobe. Strobe. Il est sur on. Avionique Master, il est toujours sur off. Ouais, ça c'est plus important. Et le téléphone portable, voilà. Est éteint. Oui, ça, c'est, il faut l'écrire, donc on l'écrit. Voilà, gaz en route. Alors donc on est bien. Tout réduit et tu touches pas. Master sur on. Voilà, ça tu le relèves. Il faut peut-être tirer un peu. Ouais, comme un train. Non, voilà. C'est mieux. Engine Master sur onde, attendre extinction du voyant glow. Là il est ici, c'est la bougie de préchauffage. Donc Electric Master sur start, donc après on tournera. Voilà, et là maintenant tu tournes jusqu'à ce qu'il démarre. Donc les pieds sur les freins aussi. Voilà. Voilà, impeccable. Il a démarré. La pression d'huile. On a une mise en route à 10,44. La pression d'huile est dans le vert. D'accord. Ah, je te mets juste ça comme ça, voilà, tu as la pression de l'huile. Là, pendant qu'il chauffe, je t'explique un petit peu ici. Donc là, 1, 2. C'est l'écran principal de contrôle. Ouais. On va avoir les tours moteurs. Donc si tu es un avion à vitesse, avec une hélice à vitesse constante, ouais. Donc du coup, ben, ça, on va s'en servir uniquement au roulage. Hein? Après, nous, on va parler en pourcentage. On va se mettre à 10%, ouais. 15, 20, voilà. Donc nous, on se prend en pourcentage. Donc là, tu as le oil pressure, ouais. Oil température. Ouais. Couleur, température, ça c'est le liquide de refroidissement. Et après on va avoir le gear, ça c'est le réducteur, la température du réducteur. Ouais. Donc là on a le pourcentage de puissance. Ici on va avoir la quantité de carburant. Donc on en a un petit peu plus à droite qu'à gauche. On a 22 gallons à peu près sur 28. Donc on a 85 litres. Température de fuel. Ouais. Là on marche pas. Ça c'est quand tu marches au gasoil, quand tu mets du fuel dedans du gasoil, tu peux mélanger du gasoil et du kéro. Ah, d'accord. Mais au gasoil, il faut qu'il fasse au moins moins 5. En dessous de moins 5, il faut le réchauffer. Le ampère, voltmètre et le fuel flow. Là on est à 0,5 gallons. Là après, c'est 0,8 gallons. Là on est à 0,9. Là on a la conso en direct. Ce qu'il y a de pratique, c'est d'un coup d'œil, tu vois si tout est vert ou pas. Là tu vois, on a du orange. Ah, ouais. Voilà. Donc là, il me dit que la vernière est ouverte. Voilà. On va se prendre la 10. Donc à 10. Ouais, parce que plutôt, on va s'en servir. Il fait pas chaud. Donc 120, 830.
J'ai pas entendu le PA. 1017. Voilà, il faut le régler ici. Là, j'ai mis dans le PA. Ah, il en est. Ouais, je t'ai dit. Ok. 900 tours pendant 2 minutes, 1400 tours jusqu'à ce que les températures soient dans l'air. Ok, donc on a l'air belle là. Donc là on peut le mettre un petit peu plus fort. Attends, je mets ça un petit peu plus fort. Là t'as le speech, ton volume pour toi. Vas-y Patrick, on t'écoute. Oui, très bien. Parfois, c'est bon. Alors c'est peut-être là, c'est mieux là. C'est pareil. On peut pas te régler pour l'arrière. Ils sont déjà en l'air. Ouais, mais voilà, on passe vite. Donc, il y a une partie. Attention, on dit qu'il est sur l'essentiel extérieur. Moi, je partage la position sur le chat de même. Il y a le tambour de vente sur l'essentiel extérieur. Donc, pied sur les freins,
j'en desserre celui-ci. Je lâche les pieds sur le frein. Allez, on roule à 52. À 48. Là. Moi, 48 à la mienne, moi j'ai 48. Je sens que j'ai le chantier, je sais enregistrer. Ok, maintenant le gaz. On roule. Et c'est le frein. On arrive à droite. L'horizon à droite, à droite, la bille, elle bouge pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est normal. Ah oui, c'est vrai qu'au sol, il est à 40. Ah, il est chiant, il n'est pas. On voit de la maniabilité, ouais. Ok, à gauche, directionnel à gauche. La vie à peine à droite. Donc là, je suis tout réduit. Deuxième essai de frein. Les freins sont bons. Là, ils sont en décollage, là, les aéroports. Les quoi? Les volets sont en décollage, là. Non, non, ils sont en... Ah, bon. Ah, non, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait les deux lumières. Panneau d'alarme, il y a la danse qui vous... Tu peux la fermer maintenant, voilà. Voilà, la danse est fermée. Ok, les gaz, 100%, 10 secondes. C'est juste pour vérifier le turbo. D'accord, ok. Très bien, instrument moteur vérifié. C'est ce qu'on vient de faire, là, voilà. D'accord. EQ test pressé et maintenu. Je t'entends pas du tout, ton micro doit pas être branché. Ouais, non, celui-là, voilà. Ah, voilà. Donc, EQ test pressé, vérifié. Donc, attends, et surtout, tu ne relâches pas. Donc, tu laisses appuyer. Vas-y, ouais. Vas-y. J'appuie. Et tu ne relâches pas. Relâche pas. Là, il va faire ses essais moteurs. Là, il fait les essais moteurs. Ouais. Il va réguler l'hélice, etc. Il passe sur le B. Là, tu ne relâches pas tant qu'il est... Tant que c'est pas fini. Et quand tout est éteint, voilà, hop, t'attends que ça vienne à 900 tours à peu près, voilà, tu peux relâcher. Les essais moteurs sont terminés, voilà. Ok, essais moteurs terminés. Témoin d'alarme éteint, donc il n'y a pas d'alarme. Donc les alarmes, c'est celles-là, elles sont éteintes. EQ swap, lâcher, tu passes EQ swap, tu le mets sur automate, tu passes en bas. Donc je tire, je descends. Voilà, ça c'est pour vérifier qu'il ne cale pas, t'as vu, ça fait une petite secousse. Ouais. Il n'a pas calé, tu remets sur automatique, on décolle sur automatique, voilà. On décolle sur automatique, voilà. Il est sur automatique. Très bien. Donc avant l'alignement. Porte et verrière fermée. On est fermé, directionnel. Non mais on vérifie, c'est pas tout de le dire, je dis. Allez, ok, c'est bon. D'ores est éteint ici. Directionnel. 0,65, 0,60, on est bon. Ouais, on est à 60 plus. L'altimètre. La pinule, on l'a bien réglé au 35 pour le décollage, 350. D'accord. Altimètre 1017, ok. On est ok. Le PA est à 1017 aussi, c'est bon. Le voyant d'or, on a vu qu'il était. Ça, il est fermé, c'est bon. Il est ici. Il est ici, voyant d'or. Ouais, non, mais lui, il est pas. Ouais, d'accord. Ah, c'est bon. Instrument moteur sévère. D'accord. Et que soit automatique. Ok. Les volets. Alors, les volets. Tac. Théo. À gauche, il descend. Alors, je l'ai mis plein volet pour voir. Ok, ça fonctionne de deux côtés. Et je le remets sur des take-off. Voilà. Okay, volet sur take-off. Ok. Commande libre et dans le bon sens. Donc, à gauche. À droite.
Il est sur normal. La ceinture, elle est bien attachée. Le briefing départ. Donc on va décoller en piste 35. Donc on décolle en piste 35. QFU 350. Hein. En cas de QFU 350, je te l'ai réglé là. 350, ouais. Donc on vérifie. En cas de panne au décollage, avant le décollage, accélération arrêt. Arrêt. En cas de panne, après le décollage, en panne mineure, après le décollage. Un pas sauteur, main droite, main droite, reposée. Avec un panne à la gauche. Et panne majeure. Et en cas de panne majeure, après le décollage, droit devant. Main, droit devant, atterrissage, atterrissage. Si j'ai le temps, EQB. Si j'ai le temps. C'est si on est assez haut. Voilà, c'est vraiment. Avec EQB. Et donc on prendra un cap, je ne sais pas combien, ça va être 0,60 à peu près, 0,30. Alors le premier cap c'est du. Alors pour aller à Vaison-la-Romaine on part sur du 22. Ouais. Donc ça veut dire que justement au niveau du départ, on part pas sur le plan de piste. En fait on part dans l'axe comme ça et dès qu'on a atteint l'altitude machin, hop, on prend. Ah tu dis une sortie de novembre éco. Une sortie de novembre éco. D'accord, novembre éco. Orange n'est pas actif, à mon avis. Là on va passer sur 122,6 et on va se mettre sur 132,3 pour avoir Provence après. D'accord. Tout à l'heure on était sur le sol et là maintenant on est sur la côte. Voilà, j'ai préaffiché 132,3. Donc on en était où? Et après donc, voilà. Là tout à l'heure on avait fait le briefing au départ. Ok, c'est fait. Donc ben, pour la ligne, on revérifiera, c'est quand on sera là-bas. Donc là on va tout remonter, hein, parce que là on est lourd, il fait chaud. Tout à fait. Donc
con qu'il n'y a pas, le phare. Ah tiens, c'est marrant, ça c'est bon, après.
I
Thank you.
Thank you.
Down to the
Tu vois, on dessert ici. Ah, mais t'avais pas ouvert la verrière. Putain, ouvre la verrière parce qu'on étouffe. Ça y est. Voilà. Et maintenant, on resynchronise les trois caméras. C'est vrai que la caméra, quand il y a des turbulences, ça a tendance à bouger, mais bon, raisonnablement, elle reste à ça. J'avais oublié celle-là, moi. Hein? Je l'avais oublié celle-là. Ah bon? Mais bon. Il devra avoir une prise de vue. Ah, c'est joli les sept lots là-bas, hein, le passage, là, c'est vraiment... Et en plus, surtout cette saison, parce que c'est un peu marbré, il y a encore un petit peu de neige et tout. Ouais. Quand tu passes, quand c'est tout enneigé, c'est moins joli. On le voyait bien, on est là, c'était super, sur le petit lac supérieur qu'il y avait là. Oui, il était vraiment tout gelé, celui-là. Ouais. Bon. Ouais. Allez, vas-y. Hop. Bon, et ben c'est parfait. Effectivement, il est où notre Martial? Mais c'était pas Roméo Juliette son immatriculation? Peut-être bien. Tiens, on va mettre ça à l'ombre par contre.